sais pas vous, mais moi, j'ai toujours rêvé d'être tatoueur. Tu sens rien, là? Ah! Par contre, les gars, c'est Pio qui se fait tatouer et il sait pas ce que je veux tatouer. Regardez, il a un bonnet sur la tête. Oh. Donc, c'est seulement à la fin qu'il va savoir ce qu'il a comme tatouage. Bien évidemment, t'es au courant, Pio. Oui. C'est lui qui m'a saoulé pour que je le fasse. Il va être content du tatouage, Pio. Je crois que j'ai fait une petite rature. T'as fait quoi? Ouais, j'ai rien fait. Je tremble de ouf. Je sais pas comment ils font les tatoueurs. C'est une dinguerie. Allez, viens, t'es pas. Ah, mais regarde, maman. Dans le dernier, j'ai toujours rêvé de faire ça. J'avais fait une coupe, un dégradé. Je tremblais, mais alors là, c'est encore pire, frère. En vrai, pour l'instant, c'est, ça va. Ça va, oh. Oh. Non, Pio, bouge pas. C'est pas mal. Bouge pas. Oh. Pio, si tu rigoles, il y aura des vagues. C'est pas mal, mon dodo. Ah. Monsieur, je peux plus, là. Oh. Voilà, j'ai raté. T'es arrivé à 3000, là. Ok, bon, on va pas retoucher trop le 1. Je pense qu'il est pas mal. Ok, on s'attaque au plus dur. Bien évidemment, les gars, c'est la première fois de ma vie que je tatoue. J'ai acheté la machine sur Amazon il y a 2 jours. Ok, là, ça va être chaud, là. Ah, je sais pas comment le prendre, là. Je tremble beaucoup trop, c'est une dinguerie. Au cas où vous, si vous me demandez, c'est mon beau-frère qui est italien, qui est arrivé en France il y a un an. Je crois qu'il va regretter de m'avoir connu. Je te jure, mec, t'as l'impression que c'est pas ouf, mais je te jure qu'un pharyn rond, quand tu trembles avec ça... Quelque chose c'est la galère. Attends, moi, j'ai fait une petite connerie. Je fais un petit point là, sur le... Engolo, s'il te plaît, arrête vraiment. Tu vois ou pas mon 3 quand il tire un peu la gueule, mais ça va en vrai, non? Ouais. Ça va de ouf, faut juste que je repasse sur les 1, je pense. Ah, voilà. Ok, bah les gars, je crois que c'est terminé. Hop là. Attends. En vrai, franchement les gars, c'est mon premier. Hein. C'est fini les gars. Vas-y. T'es prêt? Regarde, tu fais partie de la team 113, Pio! Stylé, Melo! T'aimes bien? T'aimes bien? Ouais, mais c'est incroyable. Les gars, 113, pour ceux qui comprennent pas, en gros, c'est parce que mon compte TikTok, au tout début, je l'avais appelé Porte 113, parce que mon studio, je l'avais appelé le studio 113. Voilà, au cas où. Et je l'ai eu là, regardez. C'est le bouseux qui m'avait tatoué 113. Donc tout mon entourage doit avoir un tatouage 113. Hein, Jérôme? Hein, Nicolas? Maintenant, j'ai aussi... Et voilà, et maintenant, les gars, j'ai aussi toujours rêvé de jouer à la console dans ma voiture. Est-ce que ça marche? Aucune idée si ça va marcher ou pas. Il y a une petite lumière faire que j'assure. Ah ouais? Let's go! Les gars, dites-vous que c'est un truc allume-cigare que j'ai trouvé dans les colis perdus. Tu le branches en allume-cigare. Et ensuite, c'est un truc de secteur que tu peux mettre. Regardez, on a mis multiprise. Toujours mettre la ceinture de sécurité. Oh, c'est banger, mais je veux ça pour partir en vacances tous les jours. Par contre, j'ai un peu peur pour ma batterie de voiture quand même, les gars. Oh, connecté! C'est bon, on est connecté. Donc là, ça veut dire qu'on peut même jouer en ligne et tout, les gars. Ok, Fortnite. Oh, l'écran en plus incurvé devant moi, c'est une dinguerie, comment c'est trop stylé. Oh non. Je vais prendre Mario à la base. Toujours prendre Mario sur Mario Bros. Putain! Salut, ça va ou quoi? Vous voulez jouer à Mario? Wesh! Oh, on se fait klaxonner! Bisous les gars, on se fait klaxonner! T'es baisé! Hey, imite Mario! Oh, mamma mia! C'est la mère qui le faisait avant, vous vous souvenez? Oh, mamma mia! Mario, quand il faisait ça? Ouais, la dernière fois, je l'ai fait ça. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Oh, mamma mia! Wesh! Tu fais quoi là? Ah, mec, quoi? Tranquille, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je joue. T'as mis un écran dans ta voiture. J'ai la Switch. Ah non! Vite, sinon tu vas mourir. Tu sais quoi, regarde? Viens, retourne en arrière, juste pour le fun. Viens, reste là. En fait, c'est un truc de pouvoir magique. Faut que tu restes là. Ouais, ça doit être... Ah non! Je suis mort. Mais j'ai aussi toujours rêvé d'avoir votre propre drive McDo chez vous. Bonsoir. McDrive, bonsoir. Je vais vous prendre un menu Maxi Best Of, 9 nuggets s'il vous plaît. Frites Coca. Frites Coca, 0. Avec ceci, des sauces. Sauce de luxe. Ouais. Ok.
Bah, je vous laisse patienter, je vais aller, tenez. Oh. Là-bas, il y a une salle d'attente. Ok, ça marche. J'attends là. C'est fini. Ah ouais, c'est rapide. Merci. Au revoir. À demain. Peut-être à tout à l'heure, j'aurai encore faim. En vrai, les gars, c'est pas une dinguerie. Imaginez vraiment, ça existe. Tu serais prêt à payer combien pour avoir ça chez toi? Ah, mais beaucoup trop d'argent, frère. Pas mal d'argent, ouais. Parce que ça serait bien. Les gars, zéro, je donne pas, je veux pas ça chez moi. Les gars, attention, c'est pas du tout sponsorisé par McDo, on dirait, mais juste j'ai recréé un truc et tout, parce que ça me fait trop rire. De toute façon, regardez, le t-shirt scotché. Des fois, les rêves, faut pas les réaliser parce que c'est pas bon pour toi. Il a bien tiré la langue, hein. J'ai aussi toujours rêvé d'avoir ma propre sirène de flic. Quoi? Les gars, ne refaites jamais ça chez vous. Moi, je suis dans un quartier où il n'y a personne. Donc, c'est pas grave. Course poursuite! Arrête-toi! Arrête-toi tout de suite! T'es mort. La police qui cède le passage, hein, vraiment. Il m'a donné 3 mètres! C'est génial, mec! Je me sens tellement puissant avec ça! C'est la meilleure chose au monde! J'ai super peur! Putain, j'ai cru que les rayons là-bas, j'ai cru que c'était les vrais flics. Ça s'est bien amusé. Oh, ça suffit, non? C'était très drôle, mais j'ai peur quand même. Ah, je l'ai vu, je l'arrête, lui. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Ça va. Tout se passe bien dans la ville? Oui, ça se passe. Ça va, ok, super. Aucun problème? Ça va. On est la police, la nouvelle police de la ville. Ah, et vous filmez? Oui, on filme un peu, c'est pour la télévision, enquête criminelle. Je sors de chez moi, ça fait 5 minutes. Ah, non, mais pas de soucis, vous inquiétez pas, il y a... Ok. Pas de soucis, merci. Bonne soirée, au revoir. J'ai toujours rêvé aussi d'arrêter quelqu'un, mec, c'est génial. Franchement, j'étais à deux doigts de descendre, j'irais les mains sur le capot. Les gendarmes doivent intervenir auprès d'un client éméché qui aurait déclenché une altercation avec des videurs. Regarde-le. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il croit qu'il est chez sa daronne. Regardez ce qu'on voit tous les jours. Il s'agit de cet homme en t-shirt blanc. Et voilà ce qu'on voit tous les jours sur la route. Voilà. Attendez, je suis emmêlé. Pas de problème, c'est vite dit. Eh, oh, faites quoi, là? Venez là, petit con, là, regarde, viens là, on embarque celui-là. Là. Alors que jusqu'à présent, elle était calme, la jeune femme s'emporte d'un coup. Hop là. Les mains derrière le dos. Les mains derrière le dos, là, putain, il respecte rien à chaque fois, allez, viens là. La décision est radicale, elle est interpellée. Dépêche-toi. C'est en toute petite tenue qu'elle regagne le véhicule de gendarmerie. Dans la voiture, elle continue de contester son interpellation. Toujours être prêt à la patrouille. Oh putain, cette scène était légendaire, mais j'ai trop peur. Encore une fois, ne refaites pas ça chez vous, les gars. C'est con. Et si la police, vous me voyez, on a juste bien rigolé dans un petit quartier où on a croisé presque personne. Mais maintenant, j'ai aussi toujours rêvé de faire une bataille d'oreiller. Ouais, ça fait mal, les oreillers, en vrai. C'est drôle, ça fait peur, mais ça fait pas mal. Vas-y, fais-le. Je me suis coupé, il m'a fait mal. Ah, on arrête le match. Il m'a défoncé, c'est bon, bravo. Maintenant, nouveau duel. Vas-y, défonce-le, s'il te plaît. Allez! Oh putain! Allez! Je vais m'en prendre un. Allez. Ouais, j'ai des techniques et tout, ouais! Ok, qui pour Adam, pour gagnant? Tarak. C'est de ma gueule. Tu t'appelles comment? Aurélien, une chanson. Aurélien, c'est à toi. Allez, c'est parti maintenant, go! Allez, Adam. Oh là là! Moi j'ai trop peur, j'ai derrière. Ça, c'est stylé à regarder! C'est hyper bien! 15 000 likes, j'organise un vrai tournoi. Ok, allez les gars. Oh putain! Il prend ballon, Adam, c'est bien. Oh! Belle jeu! Deux. Non, je suis. Je vais en prendre une. Allez, 1, 2, Aurélien. Ouais. Clara, on compte sur toi. Allez, Clara, allez. Putain, mais Aurélien, mais c'est invaincu. Aurélien. Ouais. Il est fatigué. Il va l'avoir, je crois qu'Aurélien, il va se faire défoncer, Aurélien. Là. Aurélien, c'est maintenant, là, allez. En fait, c'est à la fois hyper stylé et ridicule. Regardez tout de suite avec une petite musique toute mignonne.
On dirait les deux meilleurs amis au monde, c'est trop mignon. 2, 1. La pression. Fin de carrière, mais t'inquiète, on t'oubliera pas. Faites rentrer châtiment. Let's go, les go, 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 maintenant, maintenant. Putain, ouais. Il avait des comptes à régler là. Gros, il a fallu t'étrangler avec l'oreiller. C'est bon. Châtiment à gagner. Là, il a encore envie de donner. Du coup, on va faire vraiment 3 contre 1. C'est malade au pied. Regarde. Oh merde, je me suis trompé. Arrête. Mets la caméra, allez, vas-y. Défoncez-le. Il a besoin un peu, là. Petit coup, là. Un grand merci au Fight Club de nous avoir invités, les gars. Si jamais vous voulez prendre des cours de boxe, des cours de Yadi, parce que y a trop de trucs. JJB, Muay Thai, voilà. MMA. L'adresse est juste ici. Suivez-les sur les réseaux, en description. Et maintenant, j'ai toujours rêvé d'ouvrir mon restaurant à l'arrière d'un camion. C'est parti. Voici mon restaurant. Il y a de la gueule, non? Ah, premier client. Bonjour. Entrez. Prenez place. C'est tout nouveau, ça vient d'ouvrir. Ah, attendez. Toi. Oui, excusez-moi, monsieur. Ah oui, ok, alors oui, la fraco. Avant de s'asseoir, en fait, wouhou. Ok, vous pouvez vous asseoir juste ici. Hop là. Vous pouvez y aller. Pourquoi? Ici, c'est le restaurant, mais dans le camion. Ça veut dire que ça se déplace. Du coup, maintenant que le restaurant est ouvert, on peut commencer à vous servir. Attention. On prend du l'eau. De l'eau. Là, attention, le plat du jour. En gros, vous avez, regardez, là, c'est le côté salé, là, c'est le côté sucré. Vous avez des petites cacahuètes, petites tomates, petit jambon pour séparer entre les deux. Et là, petit chocolat, et vous avez carrément une tablette Mr Beast. Ça n'est pas sorti en France encore actuellement. Je vous laisse déguster et on mange tout, il n'y a pas de gâchis chez nous dans le restaurant. Honnêtement. Putain, j'aime trop, c'est trop bien, j'aimerais trop ouvrir mon restaurant. En vrai, le concept il est bien. Est-ce que ça agréable, monsieur, ou pas? Pour être un resto cowboy, en mode ça bouge de partout. Non, pour les mots, c'est compliqué. Un peu de musique, ok, musique. Voilà, c'est bon. Ça, vous allez voir, c'est super bon ça. C'est un délice. Vous pouvez manger avec les doigts en étant cowboy. Hein. Allez, voilà, allez. Pourquoi de lunettes, toi? Non, mais c'est juste pour le. Mais c'est rodéo. Bah, j'ai vomi. Non, monsieur, arrêtez. Ah, oh, ça pique, non? Ah, rodéo, on est au rodéo ici. Oh. Ça va mieux, monsieur? Vous comprenez pas ce qui s'est passé? Là, vous allez mieux comprendre. Oula. Personne de dégueulasse. Monsieur, doucement, monsieur. Et après ça, faut que tu goûtes pour nous dire. Moi, je peux pas la manger, je suis actuellement en diète, en transformation physique. La vidéo sort bientôt sur la chaîne, les frérots. Ça se voit que j'ai perdu ou pas? Oui, ça va. C'est Antoine Scoot de Street, mon frérot, qui me les a ramenés des États-Unis. Oulala, il a mis un croc dans la Mr Beast Burger. C'est bon? Super bon. Ah, j'ai envie de goûter! Oh, monsieur! Oh. Mais va falloir repayer là! Non. Chez vous, c'est super dangereux. On le fait sur des routes où il n'y a pas de circulation, les gars, donc on peut pas avoir d'accident. Non. Quoi? Non, t'es sérieux? Non, c'est une blague. Non, il ment. Ah oui, il aurait 400 fois. Non, il est sérieux ou pas? Il a fait un accident. Merde!